Ah. Salarié et tourneur chez Citroën, enchaînant les petits métiers mais toujours, ivre d'un rêve de livres et de papier, il suit en auditeur libre des cours de littérature, de philosophie et d'histoire à la Sorbonne. Il fréquente assidûment la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais aussi la librairie Nubar et les milieux caritatifs, intellectuels et artistiques arméniens. Il fonde au début des années 1930 les revues littéraires L'Effort, puis Culture. Il écrit des poèmes, traduit Baudelaire, Verlaine, Hugo et Rimbaud en arménien et de grands auteurs arméniens en français. Il écrit dans son carnet « S'élever et élever les autres, voilà un idéal qui doit enflammer toute âme qui possède l'ardent désir de vivre, de rester pur et grand toujours. » et accomplir une œuvre immortelle. Aujourd'hui, j'ai déposé ma demande de naturalisation. Je suis assis au jardin du Luxembourg. Il fait nuit. Il est 9 heures. Et tout est calme autour de moi. Mon âme est étrangement silencieuse ce soir. Elle a pris dans ses bras un ennui sombre qui va, vient, de tristesse en tristesse. Combien j'aurais souhaité en cet instant être la syllabe d'amour de ces chansons aériennes avec lesquelles les cœurs se tiennent chauds. Dans le miroir, en vain, je m'efforce de mettre un sourire sur mes lèvres désolées pour être l'ami du chant de la rue. Je regarde, troublé, ce moment qui tombe sur la roue de l'année. Autour de moi, on dirait que chaque chose vieillit. Mon âme, ce soir, est une mer en furie. Le vent dément de la vie bat en vain dans la voile ruinée de mes pensées. Il faut que ma vengeance se réalise dans l'art et non contre les hommes, car c'est trop bas et ça ne vaut pas la peine. La vie est trop courte, il ne faut pas perdre de temps avec des passions stériles. Aujourd'hui, c'est le premier jour du congrès antifasciste qui se tient dans la salle Pleyel, où je suis également envoyée comme délégué
parmi 3500 délégués qui représentent des millions d'ouvriers. Ils sont venus pour dialoguer, débattre et décider des moyens par lesquels il faut combattre le fascisme. J'ai le désir infini d'entrer dans les rangs du Parti communiste et de me consacrer à la lutte sociale. Le Congrès m'a laissé une étrange impression et m'inspire le fort désir d'écrire un poème dans lequel la lumière lutte contre les ténèbres. Un grand poème germe dans mon esprit, dont le thème va être la souffrance de l'esprit. Les pans de la nuit sont tombés en silence sur la taille nue de la Méditerranée, enivrée de soleil. Telle la coupole arrondie du temps, le ciel constellé est descendu sur la mer dans l'horizon illimité. Et comme le bateau, toujours sur sa lancée, au plus profond nocturne de la mer, captif de l'étendue mystérieuse, comme l'écume qui, dans une course folle, jaillit à l'arrière, mes pensées me suivent et mon âme, enfiévrée, avance. J'ai laissé derrière moi mon enfance au soleil, nourrie de nature, et ma noire condition d'orphelin tissée de misère et de privation. Je suis encore un adolescent ivre d'un rêve de livre et de papier. Je m'en vais mûrir par le labeur de la conscience et de la vie. Le désir est infini et semblable à cette mer illimitée, inexplicable, comme le mystère insondable des ténèbres. Je désire jouir de la lumière de la sagesse et de l'art et du vin et arracher dans le grand combat de la vie de précieux lauriers. Indispensable comme l'alimentation quotidienne, je dois chaque jour nourrir ma pensée et mon âme de savoir et de poésie pour ne pas être brûlé dans ma vie quotidienne, pour me renforcer, me fabriquer une cuirasse face au combat social de chaque jour, pour affronter et me tenir le front haut devant le sévère et implacable juge qu'est ma conscience. Je me libère relativement de ce combat quand je parle avec mes plus grands et plus sincères amis qui sont mes livres.